pense que vous ne savez pas très bien ce que vous êtes venu entendre ce soir. Et ça tombe bien parce que je ne sais pas très bien ce que je vais raconter. On sait qu'on est là pour parler de préhistoire, entre autres, puisque moi j'étais surtout plongé dans l'hypnose provoquée par la musique. Mais je vais quand même essayer de vous parler un petit peu de préhistoire, parce que c'est l'objet, entre autres, voilà, de cette confrontation à laquelle on est tous invités ce soir. Alors la préhistoire, il y a plein de façons de rentrer dedans. Une des façons, c'est de s'interroger sur finalement, qu'est-ce que ça représente pour nous, la préhistoire, en termes de mémoire. Est-ce qu'on considère que la préhistoire fait partie de notre mémoire ou pas? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Est-ce que ça se réinvente? Est-ce que ça se combine de manière à nous donner l'illusion d'un passé? Ou est-ce que c'est vraiment une réalité vécue, importante? Ce que je veux dire par là, c'est que la préhistoire, c'est une période, comme vous le savez, immense de l'humanité, puisque grosso modo, la préhistoire aujourd'hui, elle se compte en millions d'années. Rien que si on prend le sud de la France dans lequel on est ici, il faut imaginer qu'en gros, la préhistoire couvre à peu près 1 million d'années. On peut estimer que les premiers hommes qui ont commencé à se promener dans les paysages du Narbonnais, c'est à peu près il y a 1 million d'années, au bas mot. Peut-être un petit peu plus. Et en même temps, c'est une période dont vous savez très bien qu'il y a très peu de temps qu'on en a pris conscience. Grosso modo, je dirais que ça fait à peu près 150 ans, pas plus, qu'on a réalisé ce que représentait cette période antérieure à l'histoire. Alors que la préhistoire, elle est absolument partout. On l'a vu dans le film. Peut-être que avez-vous été saisi par ces images de l'équipe. Au milieu du champ, il suffit de peler un petit peu la surface du champ, d'enlever juste quelques centimètres de terre de labour, et hop, on tombe sur des traces qui ont en l'occurrence effectivement à peu près 40 000 ans, en l'occurrence qui sont celles d'un petit campement de chasseurs-cueilleurs qui s'est installé là, donc il y a à peu près 40 000 ans pendant quelques semaines, et qui ont laissé, et là c'est toute la chance qu'on a d'ailleurs en fouillant le site, là, qui ont laissé des traces qui sont remarquablement bien conservées, des foyers, des implantations. Où ils ont traité un bison, qu'ils ont découpé, ils ont prélevé la peau, ils l'ont transporté, ils ont gratté la peau, ils ont dû fabriquer avec cette peau des toiles de hutte et des vêtements, ils ont ramené des coquillages de la mer qu'ils ont perforés, etc. Bref, nous on retrouve ces petits indices, ces petites traces au milieu de ce champ. Mais il faut imaginer en fait qu'il y en a partout, 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 partout. Si on s'amusait juste comme ça, mais c'est évidemment c'est uniquement une façon d'essayer de mesurer l'épaisseur de cette époque et les traces qu'elle a laissées. Si on imagine qu'il y a eu des gens qui sont ici depuis à peu près 1 million d'années, si on imagine qu'ils étaient quelques centaines dans un espace comme le sud de la France, que chacun d'entre eux, tous les ans, utilisait, mettons, 10 ou 15 outils en pierre, et c'est certainement bien plus que ça, on arrive à des chiffres astronomiques, on arrive à des milliards d'objets partout. Je m'étais amusé une fois à faire comme ça un petit calcul, où je me dis, en gros, il devrait y avoir, si tout était bien répandu partout, il devrait y avoir à peu près au moins un outil préhistorique tous les 25 mètres carrés, à peu près. Donc si il suffit rien de regarder dans cette pièce, normalement sous nos pieds, si on pouvait creuser sous le sol là, de la pièce, on devrait normalement en trouver au moins 5 ou 6. Qui pourraient avoir 800 000 ans, 500 000 ans, 30 000 ans, 5 000 ans. Bon, en fait, naturellement, c'est juste pour donner une idée de cette présence de la préhistoire, et présence pourtant qui a été totalement invisible jusqu'à il y a 150 ans. Comme vous le savez, auparavant, aucune idée que l'homme pouvait avoir un passé aussi ancien, et aucune idée qu'il ait pu y avoir comme ça une telle place laissée à une très lente, très longue, très délicate évolution de l'homme à travers des millénaires pour parvenir jusqu'à ce que nous connaissons. Alors comment ça s'est passé, cette invention de la préhistoire au XIXe siècle? C'est un symptôme très intéressant d'ailleurs à étudier de changement de vision de l'homme sur lui-même. Comment est-ce qu'on a pris progressivement conscience que la Terre avait une histoire, que l'homme avait une histoire? Ça s'est déroulé depuis au moins le XVIe siècle, voire un petit peu avant. On peut même remonter certainement avant, mais enfin, mettons depuis le XVIe siècle. Ça s'est accéléré au XVIIe, au XVIIIe, bien sûr, et au XIXe, ça a explosé. C'est le moment où on a vraiment commencé à s'intéresser de façon scientifique à un passé de la Terre et de l'homme, où, comme vous le savez, des changements très importants du point de vue de notre conception de nous-mêmes se sont opérés. Par exemple, arriver à concevoir que nous nous sommes transformés biologiquement, que nous ne sommes pas tels que nous aurions pensé avoir été toujours été. Pardon, je me suis mal exprimé là, j'avais mis trop de été.
Et ça, c'est notamment les théories de l'évolution, au premier chef desquelles, bien sûr, celle de Darwin, d'autres encore, qui ont pu être proposées un peu avant lui, qui ont progressivement réussi à faire penser à l'évolution de l'homme. Et puis, l'idée que cet homme est beaucoup plus ancien donc, que ce qu'on pouvait penser, qu'il s'agit de s'attacher à en trouver les traces, et ça a été toute la génération des pionniers des années 1850, 1860, etc., etc., qui se sont lancés dans cette aventure intellectuelle de la découverte de cet immense continent temporel qu'est la préhistoire. Au début, ils n'avaient pas du tout idée qu'il puisse être aussi immense, d'ailleurs. Il y a un côté un peu Christophe Colomb qui part découvrir l'Amérique, vous voyez, il ne part pas découvrir l'Amérique, d'ailleurs, il pense aller aux Indes. Et puis quand il touche les îles, comme ça, des Caraïbes, qui, Colomb, de son équipage, de quiconque, pouvait-il penser qu'il était face à deux continents immenses comme l'Amérique? Même chose pour la préhistoire. Quand ils ont commencé à affleurer les côtes préhistoriques, ils ont vu les premières mouettes de silex indiquer qu'il y avait bien quelque chose qui se passait par là. Ils pensaient simplement qu'il devait y avoir quelques dizaines de millénaires. Même à l'époque, un chiffre fou, c'était 300 000 ans. Ça paraissait déjà gigantesque, 300 000 ans. Et aujourd'hui, on est au bas mot à 3 millions d'années. Et je ne dis pas ce qu'on va voir. Ça ne va pas forcément reculer tout le temps, mais en tout cas, ça laisse beaucoup, beaucoup de temps à l'évolution. Et surtout, ça a amené l'homme à se penser comme étant le fruit d'une transformation. Une transformation radicale qui le fait passer de forme très ancienne, biologiquement parlant, et de forme très ancienne sur le plan des comportements, à des formes beaucoup plus récentes. Et tout le problème que nous, on se pose en tant que préhistoriens, c'est d'arriver à essayer de construire cette histoire, à voir comment cette histoire s'est opérée, avec justement ce problème du rapport à la mémoire auquel je faisais allusion au tout début de mon intervention. C'est que nous, en Europe, la préhistoire, c'est vraiment hors de la mémoire. Il y a des milliers d'années qu'il n'y a plus de population préhistorique, ça n'a laissé aucune trace vivante dans les mémoires, et ce n'est qu'une réinvention, depuis 150 ans, donc à peu près. Quand on va ailleurs dans le monde, si on va se promener en Australie, si on va se promener en Afrique du Sud, en Amérique, dans laquelle je viens de faire allusion, là c'est très différent, parce que des populations qui, elles, se revendiquent comme étant héritières d'une tradition préhistorique, elles sont bien vivantes, elles sont bien là, elles font partie du monde moderne, elles font partie du monde contemporain, et ça pose un tout autre problème. Ce problème, c'est que dans plein de régions du monde, et presque sauf l'Europe en fait, et une partie de l'Asie, la préhistoire, elle est au présent. En tout cas, elle existe dans le monde présent, il y a des populations qui se reconnaissent dans cette préhistoire, et qui reconnaissent dans des lieux que nous on appelle préhistoriques, des lieux qui appartiennent à leur patrimoine. Quand on va en Australie, par exemple, enfin, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais quand on raconte ce qu'on voit en Australie, les fresques rupestres qu'il peut y avoir en Australie sont revendiquées par des populations actuelles comme étant le fruit de alors, pas forcément, d'ailleurs, eux-mêmes ne considèrent pas forcément que c'est leurs ancêtres qui les ont faits, ça peut être des images qui ont été créées par le temps d'avant, le temps du rêve, par des ancêtres mythiques. Mais quoi qu'il en soit, ils se reconnaissent dans ces images comme face à des œuvres qui font partie de leur patrimoine. Pour nous, il est tout à fait différemment, on perçoit très différemment la préhistoire, parce que par définition, elle a été entièrement réinventée. Donc on a un rapport au temps et un rapport à ce qu'est la préhistoire qui est très variable selon qu'on est en Occident ou qu'on est dans d'autres régions du monde. Et là où je veux en venir en vous disant ça, c'est que ça pose tout le problème de l'universalité de l'homme. Est-ce que la préhistoire est le dénominateur commun à une certaine forme d'universalité? C'est quelque chose qui n'était pas du tout à l'esprit des premiers préhistoriens. Les premiers préhistoriens, eux, quand ils fouillaient il y a 150 ans, ils considéraient qu'ils fouillaient les traces laissées par des populations primitive dans un sens de population archaïque, dans un sens assez péjoratif. Aujourd'hui, la question qu'on se pose quand on travaille sur la préhistoire, c'est à quel moment est-ce qu'on peut commencer à voir émerger des comportements qu'on n'appelle plus tout à fait primitifs, mais qu'on appelle premiers. Et le changement de sens entre primitif et premier, évidemment, il est très significatif. C'est pas pour rien, je dirais, qu'on a rebaptisé le musée des arts primitifs, qui n'a d'ailleurs jamais tout à fait porté ce nom, mais en tout cas c'était le sens que ça pouvait avoir, en musée des arts premiers. Et qu'on parle des peuples premiers, on parle plus des peuples primitifs. Le mot premier, il dit bien ce qu'il veut dire. Il veut dire en gros, vraiment
le terreau, quoi, la base sur laquelle ensuite les autres évolutions sont construites, mais qui, par son caractère de premier, nous définit dans une essence. Et donc le travail des préhistoriens, entre autres, c'est justement de travailler sur cette essence. À quel moment est-ce qu'on voit, par exemple, apparaître des signaux clairs qu'on puisse interpréter avec nos moyens d'archéologue comme étant des éléments sur témoignant des premières traces de conscience de la mort, par exemple. Puisque l'humanité n'a pas toujours eu conscience de la mort. En tout cas, la conscience de la mort telle que nous, on se la représente, elle est construite historiquement. Elle s'est bâtie au cours de la préhistoire pour finir par devenir un comportement universel. Et l'autre élément sur lequel on peut s'appuyer, par exemple, pour étayer cette discussion, c'est précisément la sensibilité artistique. Depuis quand les hommes sont-ils sensibles, par exemple, à des rythmes tels que ceux qu'on vient d'entendre? Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est construit progressivement au cours de l'histoire de l'humanité. Alors, naturellement, la communication, le langage, sont des choses qui sont bien plus anciennes que l'homme lui-même. Mais depuis quand est-ce que on a développé ses aptitudes, ses facultés, dans le sens d'une véritable sensibilité artistique, jusqu'à produire des instruments, comme on produit des œuvres picturales? Et depuis quand est-ce que ces caractères-là sont devenus des éléments génériques de l'humanité dans son entier? Ça fait partie des travaux sur lesquels nous, on se penche en tant que préhistoriens. Et derrière ça, c'est vrai que puisque je sais qu'on est là face à des discussions citoyennes, quand tu m'as parlé même de cette invitation, le mot est venu, même si ce n'est pas forcément un mot que tu retiens, mais peu importe, en tout cas, voilà. La question que nous, on se pose justement, c'est jusqu'à quel point est-ce que notre travail de scientifique est là aussi pour nourrir une réflexion sur l'universalité de l'homme qui, justement, laisse une place dans le monde moderne à des populations très différentes les unes des autres, qu'on soit chasseur-cueilleur au fin fond du bush actuel ou pêcheur en Islande, et qui néanmoins se retrouve autour d'éléments essentiels dont nous essayons d'analyser l'historicité. Voilà une des questions que la préhistoire peut poser à notre société.
Alors là, j'ai bien conscience que précédemment, je suis resté un peu sur un niveau assez abstrait de présentation de ce qu'est la préhistoire et des questions qu'on peut se poser. Et vraiment des questions, effectivement, d'ordre philosophique. Il ne faut pas avoir peur de dire que, certes, nous sommes des scientifiques, certes, le travail qu'on mène est un travail qui est basé sur une observation du réel qu'on veut la plus précise et méticuleuse, et surtout la plus vérifiable. Il ne faut pas avoir peur de dire que, certes, les démonstrations que nous faisons sont des démonstrations qui sont construites comme un raisonnement scientifique, autrement dit là aussi, qui sont non seulement vérifiables, mais comme on dit, falsifiables. On peut démontrer qu'on s'est trompé, et c'est lorsqu'on démontre qu'on s'est trompé, comme on le sait, qu'on peut justement mettre en évidence qu'il s'agit d'une démarche scientifique et non pas d'une croyance, puisqu'une croyance, on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse. En revanche, nous, on peut démontrer que ce que nous faisons est faux. Et c'est par ce chemin-là, naturellement, qu'on est face à une vraie démarche scientifique. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur du fait que, naturellement, on est animé par une éthique, on est animé par des conceptions philosophiques, et par exemple, qu'on est animé par cette question de savoir est-ce que cette évolution, au cours du temps que nous nous constatons dans les faits, est-ce qu'elle a un sens ou est-ce qu'elle n'en a pas ? Et en l'occurrence, il est très intéressant de chercher à débusquer dans la conscience des préhistoriens lesquels ont cherché à lire un sens et lesquels, au contraire, se sont tenus à distance de cette question-là. Et de fait, il faut admettre que la plupart des plus grands préhistoriens étaient animés par la recherche d'un sens à l'évolution. Ça a été le cas, par exemple, de l'abbé Breuil au début du XXe siècle, ça a été le cas d'André Leroy-Gourhan à la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont des gens qui étaient en quête de sens, au sens vraiment une trajectoire, une ou plusieurs trajectoires. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi animé par une certaine vision qu'on a de l'homme et de sa société, et qu'on donne plus ou moins de poids à tel ou tel aspect. Par exemple, en préhistoire, il est bien évident qu'une des grandes dialectiques, c'est de savoir en gros, est-ce que c'est l'évolution biologique qui tracte l'évolution de l'homme, ou est-ce que c'est son évolution, on va dire, d'ordre social, comportemental, on dirait aussi culturel. Naturellement, c'est une dialectique entre les deux. Mais souvent, quand on représente la préhistoire, je pense que à travers ce que vous en connaissez, la façon dont ça vous est restitué, on met souvent en avant plutôt la dimension en chair et en os, quoi. On voit plutôt l'homme qui se redresse, on voit plutôt les changements biologiques, et c'est plutôt de ce côté-là qu'on fait pencher la balance pour expliquer comment l'homme s'est transformé au cours du temps. Et ça joue sur notre propre conception de nous-mêmes, nous les sapiens. C'est vrai que nous les sapiens, on est aujourd'hui la seule espèce humaine, et donc les seuls représentants de l'humanité. Et il y a une forte tendance à considérer que nous sommes un peu une forme d'espèce élue. Que nous sommes sortis à un moment donné du giron de différentes formes d'humanité plus anciennes, et ça c'est vrai, il y a à peu près 150 000 ans. Et nous avons connu un succès planétaire qui s'est déroulé en plusieurs étapes, très complexes, des dynamiques de peuplement d'ailleurs qui sont passionnantes à étudier, avec des phases d'expansion territoriale, de rétractation, de diffusion. Et nous avons, on va dire, entre moins 100 000 ans et moins 10 000 ans, pour faire simple. J'arrondis un peu des chiffres, mais c'est déjà des chiffres énormes. Hein. Pendant ce temps, il y avait des centaines de petits silex qui étaient abandonnés partout autour de Narbonne et qui continuent à scintiller dans les champs. Enfin non, ils ne scintillent plus longtemps, ils sont patinés. Mais bref, entre 100 000 ans et 10 000 ans, cette humanité a grosso modo conquis toutes les frontières de la planète. Et il est très tentant d'imaginer que ça, nous le devons à ce que nous sommes biologiquement, nous, sapiens, capables de conquérir le monde grâce à des facultés qui seraient supérieures à celles des formes d'humanité différentes, un peu plus anciennes ou différentes, et notamment en Europe, vous ne manquez sûrement pas de connaître la grande opposition qu'on met souvent entre sapiens, nous, et Néandertal, qui est effectivement la population indigène européenne. Et depuis une bonne centaine d'années, 100 ans à peu près, que ce débat fait rage, on s'interroge pour savoir en gros qu'est-ce qui a fait que Sapiens a assuré son succès face à d'autres populations, comme Néandertal par exemple. Certains préhistoriens n'hésitent pas à mettre en avant que ce sont des facultés biologiques propres à Sapiens, et peut-être justement des facultés biologiques qui l'amènent à avoir des capacités d'abstraction, des capacités à penser le monde en symbole,
et à incarner ces symboles sous différentes formes, artistiques notamment, qui lui auraient assuré un succès face à des populations qui auraient été dépourvues de ces capacités-là. Si on reprend, j'ai parlé de le roi Gourand un instant, le roi Gourand par exemple, très clairement, indexe le succès de Sapiens sur le succès biologique propre à l'architecture cérébrale qui serait la sienne. Et c'est un vrai débat qui fait rage aujourd'hui encore, de savoir est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication. Pour ma part, j'aurais tendance à proposer de renverser un peu la perspective en se demandant est-ce que ce ne sont pas des changements comportementaux d'ordre de fonctionnement sociaux qui ont entraîné des brassages beaucoup plus importants entre les populations, et de ces brassages sont sortis des mixités biologiques, parmi lesquelles, c'est vrai, les caractères sapiens ont pris le dessus sur d'autres caractères. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière cette vision du succès des sapiens pour des raisons biologiques face à d'autres formes d'humanité, ou au contraire de l'hypothèse de changements d'ordre comportementaux entraînant davantage de mixité entre les populations, se brassant d'un point de vue biologique, génétique, jusqu'à devenir l'humanité qu'elle est aujourd'hui, se jouent des visions très différentes et des philosophies très différentes de l'évolution de l'homme. Est-ce qu'on considère que l'homme a fonctionné plutôt par compétition entre groupes humains, jusqu'à ce que certains d'ailleurs disparaissent au profit d'autres? Ou est-ce qu'on considère que l'humanité a plutôt fonctionné sous forme d'interactions, d'échanges? Ces interactions fussent-elles de temps en temps relativement violentes, mais plutôt du côté de l'interaction et de l'échange, sans pour autant parler de coopération, sans tomber dans un monde peut-être trop idyllique, mais néanmoins plutôt de ce côté-là, et que c'est de cela qu'est sortie l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est des travaux actuels, d'essayer de travailler justement sur ces questions de la démonstration des contacts, des échanges, des diffusions, ce qui est très difficile. Quand on travaille, par exemple, sur les innovations techniques, puisque moi, c'est précisément mon sujet, voir apparaître à un endroit donné un objet technique, le voir se diffuser dans l'espace. C'est très intéressant, évidemment, d'analyser ce phénomène en essayant de voir est-ce que ça correspond à un phénomène qui accompagne l'expansion d'une population humaine, on va dire, dominante, ou au contraire la transmission de groupe en groupe d'une solution technique qui a un effet de succès et un effet de séduction sur les autres populations qui l'adoptent. Là où ça devient intéressant, évidemment, c'est quand on analyse que ce phénomène peut aller dans le sens de mutations sociales, et que ces mutations sociales sont justement porteuses de davantage de contacts entre les populations. Je vais être plus concret. On voit par exemple apparaître, il y a à peu près 50 000 ans, peut-être un peu plus, la parure corporelle. C'est-à-dire le fait de se couvrir le corps, ou en tout cas une partie du corps, avec des objets qui peuvent être soit des coquillages ramassés sur le bord de la mer, soit des dents animales, etc. Enfin, bref, toute une panoplie d'objets qui vont servir à parer les corps. Ce comportement à la fois esthétique, symbolique, il renvoie manifestement à l'élaboration de codes sociaux qui veulent dire sans doute des choses du point de vue de la place de l'individu dans son groupe, du groupe par rapport aux autres groupes, de la relation que le groupe entretient avec son univers, bref, une codification du monde et des rapports sociaux. Selon comment on se positionne par rapport au débat précédent, c'est-à-dire ce débat sur est-ce que c'est plutôt le côté biologique, sapiens et ses facultés propres qui assurent son succès face à d'autres humanités qui n'en seraient pas capables, ou qu'au contraire on met plutôt en avant les facteurs d'interaction sociale entre humanités éventuellement un peu différentes, à cette époque-là, on va interpréter complètement différemment l'adoption des parures. Pour certains préhistoriens, l'adoption des parures est un phénomène propre à Sapiens. Et lorsqu'on pense que d'autres humanités, par exemple Néandertal, a adopté des parures, on en a quelques indices, quelques traces, certains préhistoriens disent qu'ils l'ont fait uniquement par imitation. Ils ont vu des Sapiens parer, avec des coquillages, etc., et ils ont essayé de faire la même chose. Mais ils l'ont fait comme une imitation un peu perdue d'avance.
C'était le chant du cygne d'une population qui n'était pas même elle-même capable véritablement de concevoir cette évolution et qui est arrivée au seuil de ce qu'elle pouvait apporter à l'évolution de l'homme. Ou au contraire, on peut considérer que le moment où les parures commencent à se développer, ça correspond à des moments où non seulement se mettent en place des phénomènes de codification sociale interne au groupe, mais surtout peut-être de contact entre groupes. Et que le fait de parer son corps, c'est une façon de revendiquer son identité, de marquer son identité face à d'autres groupes. Mais si on prend la peine de marquer son identité, c'est précisément parce que c'est cette identité, elle est mise en situation de contact. Et précisément, peut-être parce que ces contacts sont mus par des phénomènes de rencontres liées à des évolutions d'ordre matrimonial. J'emploie ce terme volontairement emprunté aux anthropologues pour dire que, selon moi par exemple, le début de ce qu'on appelle le politique supérieur, c'est-à-dire ce moment où on est à la charnière entre cette humanité ancienne européenne de Néandertal et cette humanité moderne, on va l'appeler comme ça, de Sapiens, qui parvient en Europe aux environs de 40 000 ans et qui correspond à cette vague de culture aurignacienne que connaît l'Europe, à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Si à ce moment-là, justement, on voit les populations se doter de parures, c'est peut-être parce que l'enrichissement des contacts entre elles est notamment motivé par des changements en faveur d'une plus forte exogamie des groupes. Ça, c'est une conviction assez profonde que j'ai, que un des moteurs de l'évolution ressentie à ce moment-là, c'est du côté de l'exogamie. Je veux dire par là que les populations antérieures fonctionnaient peut-être davantage de manière endogame. Des groupes relativement refermés sur eux-mêmes, se mariant entre eux, nourrissant relativement peu de contacts les uns envers les autres, ayant donc relativement peu besoin de se doter de marqueurs d'identité, puisque leur identité n'était pas discutée ni remise en cause par aucun contact ou frottement avec d'autres groupes, et que cette endogamie aurait laissé la place à cette charnière entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, à des comportements plus exogames, où la norme, la règle, le choix social se porte justement vers le fait d'aller épouser des membres d'autres communautés, de manière à progressivement, de proche en proche, tisser des réseaux d'alliance, de solidarité, à beaucoup plus large échelle géographique. Là, on est vraiment sur des comportements sociaux, sur des modifications en termes de comportements sociaux. Et on sait que ces questions d'exogamie ou d'endogamie se sont jouées à plusieurs moments dans l'histoire de l'humanité, à des périodes plus récentes. Et cette exogamie, moi, j'en verrais volontiers la trace dans, justement, cette revendication identitaire des groupes qui, parce qu'ils sont justement amenés à se côtoyer, ont besoin de revendiquer leur identité. Ce faisant, cette exogamie peut aller dans le sens de brassage génétique beaucoup plus intense, et peut-être est-ce là une des clés, c'est certainement pas la seule, mais une des clés, non pas de la disparition des Néandertaliens, mais de l'incorporation des populations indigènes néandertaliennes dans un pool commun d'une humanité désormais moderne, dans lesquelles les gènes sapiens ont peut-être pris une position dominante en apparence, mais où néanmoins, les populations néandertaliennes ont trouvé pleinement leur place et se sont fondues dans cette masse sans même se rendre compte de l'évolution biologique qu'ils étaient en train eux-mêmes de vivre. Voilà deux visions tout à fait différentes de l'évolution de notre humanité. Une vision qui met plutôt en valeur le succès et la compétition entre groupes, avec notamment la logique de considérer que c'est du côté d'un succès biologique qu'on doit chercher la clé la plus importante d'explication, ou au contraire, des évolutions plutôt dans paléo-sociologique qui ont pu avoir des incidences multiples, et notamment à rebours une incidence sur la transformation biologique de l'humanité. Ça, c'est des choses qui nous questionnent du point de vue purement scientifique, mais je n'ignore pas qu'en posant ces questions-là, je renvoie aussi à des grandes questions de notre société actuelle. Thank you.
passer aux questions. La parole est à vous maintenant, je crois. On va donc passer aux questions de la salle. Je sais que la première, c'est souvent la plus difficile. Alors, si personne ne pose de questions, je vais désigner quelqu'un. Ah, ça va. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à propos de Piltdown Hill? Alors, j'aurais du mal à vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Peut-être, j'imagine que vous connaissez bien l'histoire. Je peux la rappeler en quelques mots pour tout le monde, si certains d'ici peut-être ne connaissent pas l'histoire de Piltdown Hill. Là, on se trouve en Angleterre au tout début du XXe siècle. Et on est vraiment au cœur des discussions sur l'évolution biologique de l'homme. Donc il faut bien voir en fait que même parmi les premiers préhistoriens, entre 1850 mettons et 1900, par définition, qui dit préhistorien dit des gens qui étaient convaincus de l'évolution, non, de l'ancienneté de l'homme, mais pas forcément de son évolution. Il y a plein de préhistoriens des années 1850 à 1900 qui étaient très dubitatifs sur l'évolution de l'homme sur un plan biologique, parce qu'ils restaient quand même plutôt dans l'idée que l'homme était tel qu'il avait toujours été. Certains d'ailleurs étaient croyants de ce point de vue-là, ils revendiquaient plutôt une création divine de cette humanité, tout en admettant qu'elle était beaucoup plus ancienne que ce qu'on croyait. Et il y avait des grands débats donc sur pour ou contre le transformisme. C'est un premier niveau de débat. Et le deuxième niveau de débat, c'est que même parmi ceux qui étaient plutôt transformistes, ceux qui pensaient que l'homme, effectivement, s'était bien transformé au cours du temps, il y a ceux qui considéraient que ce qui était quand même l'apanage de l'homme, c'était son cerveau, et que c'était plutôt des modifications cérébrales qui étaient la ligne directrice de l'évolution de l'homme, et ceux qui considéraient que non, c'était peut-être plutôt du point de vue des modes de locomotion, le fait d'être bipède, le fait de pouvoir se servir de ses mains, que se jouait vraiment la grande trajectoire de l'évolution, et incidemment, l'évolution cérébrale. Et ça, c'était un débat fort au fin 19e, début 20e. Il se trouve qu'un des fossiles les plus anciens trouvés à cette époque-là, il est trouvé par un Hollandais à Java, ce fossile va être baptisé Pithecanthrope. Aujourd'hui, on dirait Homo erectus. Et ce Pithecanthrope va plutôt donner raison à ceux qui considèrent que c'est du côté de la bipédie, de la locomotion, que se joue un des facteurs d'hominisation les plus importants avant les évolutions cérébrales. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les os des jambes, en l'occurrence trouvés sur ces fossiles, sont relativement modernes, alors qu'au contraire, le crâne, à cette époque-là en tout cas, leur paraît très archaïque. Et ça, autant vous dire que c'est quelque chose qui ne passe pas très bien à l'époque, quoi. Parce que c'est pas très flatteur, quand même, de se dire qu'en gros, on s'est fait par les pieds. Donc il y a un vrai débat sur le sujet, et certains n'hésitent pas à dire, en gros, que ce fossile javanais, là-bas, traduit des formes périphériques d'évolution, mais que ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, on va trouver des formes qui montrent l'inverse, c'est-à-dire plutôt une évolution cérébrale qui précède une évolution corporelle. Et au miracle, aux environs de 1910, j'avoue que la date, peut-être vous vous en souvenez, moi je l'ai plus tout à fait, je crois que c'est 1911 ou 12, je ne sais plus. Enfin, oui, mec. Hein, je ne pourrais pas dire. Ouais, c'est dans ces eaux-là. On trouve, donc dans le sud de l'Angleterre, un crâne très remarquable, une boîte crânienne très moderne et une mâchoire très simiesque. Autrement dit, on a vraiment là l'évidence, au contraire, exactement l'inverse du Pithecanthrope de Java, quelque chose qui montrerait une évolution du côté des capacités, en tout cas du volume et l'architecture cérébrale, alors même que le reste du corps, en l'occurrence la mandibule, la mâchoire serait très archaïque. Et c'est donc l'homme de Piltdown. Ça va avoir beaucoup de succès. Et autant vous dire qu'en Angleterre, ils sont assez fiers, hein, quand même, d'avoir trouvé justement un fossile qui est l'inverse de ces fossiles javanais.
même si très vite, dès les années 1920-1930, on a un petit doute sur ce fossile. Notamment en France. Mais est-ce qu'en France, on n'a pas un doute parce qu'il vient d'Angleterre? En tout cas, il y a des doutes qui sont émis. Jusqu'à ce que dans les années 50, on fasse l'analyse approfondie du fossile et qu'on se rende compte que c'est un faux. Un faux bien fait, mais un vrai faux, quoi. Et que quelqu'un s'est amusé à prendre un crâne d'homme actuel, à y mettre une mandibule, je crois, d'orang-outan, après avoir limé les dents, enfin, etc., avoir bricolé, orang-outan au chimpanzé, je ne sais plus, en tout cas un singe, même très proche de nous, et avoir fabriqué de toutes pièces ce fossile. Et ça a porté quand même un très gros discrédit aux paléontologues anglais. Ils ont quand même, qui pendant 30 ou 40 ans, étaient tout fiers de montrer Peel Darn. Et dans tous les musées du monde, en tout cas dans beaucoup d'entre eux, on a depuis lors rangé dans un coin des moulages de l'homme de Peel Darn, qui pendant longtemps a été présenté comme un ancêtre européen, plus évolué que les autres, ça plaisait bien, à notre humanité. Là, donc c'est un exemple tout à fait passionnant qui montre que très souvent, c'est à travers l'histoire des faux qu'on débusque encore mieux ce qu'on avait vraiment envie de trouver, quoi. Et il y a eu des faux comme ça qui ont jalonné l'histoire de notre discipline, tant du point de vue de la découverte de l'art préhistorique, que du point de vue, en l'occurrence, de l'anthropologie, que d'autres aspects encore. Et c'est très intéressant de faire l'histoire des faux pour voir l'histoire des attentes. Voilà ce que moi, je pourrais dire de l'homme de Peel Darn. Mais en tout cas, merci, parce que c'est bien précis. J'avais d'autres choses en tête. Quand vous avez fait allusion aux aborigènes d'Australie et aux rapports qu'ils entretiennent avec certains dessins ancestraux, j'ai lu une très belle anecdote à ce propos, qui est que dans les années 90, quelqu'un avait amené un groupe tribal d'Australie visiter la France. Et que les Australiens, face au développement de ce que nous appelons la civilisation, ont été complètement indifférents et plutôt attristés, jusqu'à ce qu'on les amène à Lascaux, ou est-ce que c'était déjà une reproduction de Lascaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, lorsqu'on les a mis face aux gravures rupestres du Périgord, ils se sont mis à pleurer, parce qu'ils ont pensé que, ils ont trouvé une relation avec les ancêtres. Donc ça va dans le sens de... Mais c'est vrai qu'il y a un thème que j'imaginais qui serait traité ce soir, c'est celui de l'art, spécifiquement. Et ce caractère quand même extraordinaire, vous allez nous donner les datations plus précises de Claude Chauvet ou de Lascaux, mais je veux dire, quand on constate et qu'on médite sur le trait du dessin, les rhinocéros de la grotte Chauvet, par exemple. Alors on parle beaucoup de cette figuration du mouvement, mais moi je trouve plus impressionnant la maturité du trait. Est-ce que vous travaillez sur ce champ-là, sur cette actualité, j'ose pas dire modernité, mais c'est cette actualité du trait. C'est-à-dire que on a vu, par exemple, je sais qu'à une époque, on a vu, puisque Picasso a produit ce qu'on connaît de plutôt déstructuré, mais c'était un très grand dessinateur. Et j'avais vu dans ma jeunesse Picasso filmé en train de dessiner du dessin plutôt académique, et ensuite le mouvement avait été ralenti. Et donc c'était absolument fascinant. Eh bien, ce qu'on voit dans la grotte Chauvet ou dans Lascaux ou dans Altamira montre une maturité du trait qui est absolument faramineuse. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous travaillez là-dessus? J'ai peut-être redonné le micro à quelqu'un d'autre. Il se trouve que... Enfin, je vais te laisser répondre. Vous savez peut-être qu'il y a Marc Azéma qui est préhistorien, qui travaille avec François et qui travaille à la grotte Chauvet. Donc on fera certainement une université avec lui, donc je pense qu'il sera plus à même que François de répondre, mais il va vous dire ce qu'il en pense. Et puis peut-être, il y aura même peut-être Gilles Tozello, qui est la personne qui a, lui, qui est aussi préhistorien de l'art et qui a fait le facsimilé de la grotte Chauvet. Donc je l'ai filmé à Toulouse, donc... Et là, il est vraiment à même de répondre à cette question. D'ailleurs, il avait déjà fait une intervention à Narbonne, à la médiathèque,
il y a quelques mois. Mais François va lui donner son point de vue. J'aurais répondu exactement ce que tu viens de répondre. Moi, je ne travaille pas là-dessus. Je ne dis pas que je n'ai pas des idées, que je n'y réfléchis pas, mais ce n'est pas mon domaine de recherche. Mais encore une fois, ça n'empêche pas d'en parler. Mais dire que, vous voyez, je ne vous parle pas avec autorité de quelqu'un qui aurait travaillé sur Chauvet, ce n'est pas le cas du tout. Ni qui se soit penché particulièrement sur ces questions. Ni Altamira, ni Chauvet, ni tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas mon domaine d'étude. Mon domaine d'étude, moi, vous voyez, j'aborde ces sociétés à travers leurs techniques, leur façon de concevoir leurs outils, etc. Là, j'ai un domaine d'expertise, vous voyez, qui est plus fondé que sur l'art. Donc c'est vrai que je pense que c'est bien préférable que vous invitiez Marc Azéma, Gilles ou d'autres encore, pour aborder cette question. Ce qui est vrai, alors on peut dire par rapport à ça, je vais reprendre un peu le côté historique et historiographique auquel tu m'avais demandé de me prêter dans cette intervention. Ce qui est vrai, c'est que les préhistoriens, ça c'est rigolo, ont toujours été très surpris par l'art préhistorique et toujours bousculés et déboussolés, tout le temps. Et que lors des toutes premières découvertes d'art préhistorique au XIXe siècle, ils ont été bousculés dans ce qu'ils pensaient trouver. On aurait vraiment pensé à l'époque trouver un art, une enfance de l'art, quelque chose de très rudimentaire, de très simple. Et bizarrement, paf, ce qui sort, c'est pas du tout ça. C'est un art, au contraire, beaucoup plus élaboré que tout ce qu'on avait pensé. À tel point d'ailleurs que parmi les premiers préhistoriens, certains considèrent, et c'est très intéressant comme discussion, qu'on peut arriver à lire dans l'évolution des outils, par exemple, une certaine logique de progrès, alors que précisément l'art et la spiritualité échapperaient à la notion de progrès. Là, c'est une discussion qui, dès le XIXe siècle, anime les rangs des préhistoriens. Puis dans le courant du XXe siècle, certains préhistoriens ont quand même essayé de lire dans l'art une évolution où on puisse reconnaître une certaine forme de progrès. Et notamment, on a parlé de Leroy Gourhan tout à l'heure, je l'ai cité son nom en tout cas, on peut en reparler. Leroy Gourhan, c'est très intéressant, la vision qu'il a de l'art. D'un côté, de l'interprétation, Leroy Gourhan propose des interprétations qui sont au contraire des interprétations montrant une grande spiritualité et plutôt une forme de conception universelle de la dualité, en l'occurrence entre principes féminins et masculins, qui serait à la racine même du discours supporté par cet art. Donc on va dire que du point de vue de l'interprétation, il nous présente quelque chose qui n'est pas du tout à lire à l'aune d'un quelconque progrès dans l'évolution intellectuelle. En revanche, du point de vue de la forme, Leroy Gourhan imagine plutôt effectivement une évolution qui partirait de formes schématiques, croit-il, à des formes naturalistes. Et lui, il voit là-dedans une progression au sens propre du terme. Et il est vrai que Chauvet, lorsque cette grotte a été découverte il y a 20 ans maintenant, a totalement bousculé et renversé la table de ces conceptions-là, en montrant que les premières formes de figuration, en l'occurrence animale, puis il y a un peu de figuration humaine aussi, mais surtout animale, proposées par ces artistes aurignaciens, en tout cas par ces, on dit artistes, vous voyez, avec plein de guillemets, témoignaient, comme vous l'avez dit, d'une maturité très forte. Cette maturité très forte, elle est manifestement appuyée sur l'existence d'apprentissages forts. Et là, on retrouve cette discussion que j'ai essayé de mener avec vous tout à l'heure sur les aspects d'ordre sociologique. C'est qu'on a manifestement affaire à des sociétés qui, à partir d'un certain moment, vont investir dans la formation de gens qui vont être chargés de produire et de reproduire ce type d'image. Ça veut dire que ces images sont tellement importantes pour eux que l'existence d'apprentissage autour de la conception d'image prend toute son importance. Voilà comment moi je l'aborderai, mais encore une fois, il est clair qu'il vaut nettement mieux laisser la parole à mes collègues spécialistes de ces domaines pour répondre plus de manière approfondie et profonde à cette question. Alors avant la prochaine question, un petit moment d'art peut-être avec Thierry.
pas d'électronique à la voiture, je suis désolé. Donc on va faire sans électronique. Il veut plus. Question suivante. Dans la première partie de votre exposé, vous avez parlé de la dimension de mémoire que pouvait représenter la préhistoire pour des peuples qui vivent actuellement ou pour leurs proches ancêtres, qui, parmi les peuples qu'on appelle peuples primitifs, premiers, pardon. Et alors, j'imagine que ça ne concerne quand même qu'une frange assez proche de la préhistoire. C'est-à-dire que les... Alors justement, la question que je voudrais vous poser, c'est jusqu'où faites-vous remonter cette période à laquelle le mode de vie peut trouver des échos dans des populations vivant encore aujourd'hui? C'est une excellente question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre. Alors, si on prend les choses d'un point de vue politique, puisqu'en fait on parle de politique en parlant de ça, aujourd'hui, des populations à travers le monde ont tendance à considérer que ces racines-là remontent très très loin, et parfois au-delà de 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans. Par exemple, aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a une assez forte revendication à considérer que les populations San, qu'on appelle aussi Bushmen, sont les héritières d'un patrimoine traditionnel, etc., qui peut remonter à 40 ou 50 000 ans. Et il y a des articles scientifiques, d'ailleurs, qui essaient de documenter
cette filiation qu'il y aurait depuis des phases très 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 anciennes. Et il est clair que ça sert un discours politique, parce que ça sert le discours d'une forme de préséance des populations et d'un enracinement de ces populations dans des territoires depuis très longtemps. Vous vous doutez à quel point ça a beaucoup d'influence et d'importance, par exemple, dans des continents comme l'Amérique ou l'Australie, parce que derrière ça se jouent des questions de revendication territoriale. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est vraiment l'aspect, et qu'est-ce qu'on arrive, nous, à démontrer ? Et là, je dois vous dire que si on prend au cas par cas, je ne pourrais pas généraliser, évidemment, si on prend au cas par cas, on peut, dans certains cas, remonter à 5 ou 10 000 ans, quand même, sans, je dirais, trop de difficultés. On peut trouver comme ça des fils, quand même, traditionnels, dans certaines façons de concevoir les outils, etc., etc., sur plusieurs milliers d'années. Mais en même temps, moi, il se trouve que je me suis plutôt intéressé, quand je me suis penché sur cette question, notamment en Afrique du Sud, à essayer de démontrer que ces populations avaient aussi une histoire, au sens où elles avaient connu des modifications de comportement, etc., etc., relativement récentes, et que c'était justement aussi en leur redonnant une histoire qu'on leur redonnait une place encore plus intéressante dans le monde moderne. Donc moi, je me suis plutôt penché, j'ai plutôt pris le point de vue inverse qui consistait à considérer que ce qui était intéressant, c'était de leur donner une histoire que d'essayer de montrer qu'ils n'en avaient pas, d'une certaine façon. Vous me suivez dans ma réponse? Voilà. Oui. Et d'autre part, dans la dernière partie, vous avez évoqué une position qui m'a semblé être la vôtre, qui est, en gros, vous donneriez la préférence à la dimension sociale dans l'évolution, plutôt qu'à la dimension biologique, on va dire. Hein? D'accord? C'est ce que vous avez dit. Absolument. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est de ce fait, est-ce que ça ne vous amène pas à penser qu'il y a un sens à l'évolution? Moi, très sincèrement, là, si vous voyez, là, pour le coup, autant je crois avoir à peu près clairement énoncé, effectivement, comme vous l'avez bien vu, ma préférence en faveur de l'évolution sociale, autant vous avez remarqué que je suis resté très. Très discret sur cette question. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison. Sincèrement, moi, je suis totalement agnostique de ce point de vue-là. C'est que je ne peux pas démontrer scientifiquement qu'il y ait un sens aux transformations que j'essaye de constater. Je ne sais pas très bien comment faire ça. Et là aussi, moi, j'ai plutôt tendance à prendre le problème à rebours et me dire que ça fait très longtemps qu'on s'intéresse plutôt à la question du sens potentiel de l'évolution, ce qui donne toujours l'impression qu'en gros, quand un phénomène apparaît, il serait le premier jalon d'une trajectoire qui serait un peu une trajectoire prévue à l'avance. Vous voyez, c'est ça qui véritablement donne du sens au sens. C'est si on peut considérer qu'il y a une trajectoire prémédité, et qu'en gros on juge d'un phénomène en fonction de ce qu'on considère qu'il va devenir. Et moi j'ai tendance à essayer scientifiquement de renverser l'idée en m'intéressant plutôt au seuil d'irréversibilité. À quel moment est-ce qu'un phénomène a atteint et a pris une place tellement importante qu'il est irréversible? Et ça me paraît atteignable sur un plan scientifique. Alors qu'en revanche, ne me paraît pas atteignable sur un plan scientifique la démonstration qu'il y a vraiment un sens coordonné à tout ça, inscrit depuis les racines du phénomène. Donc cet aspect-là, j'ai des collègues, j'imagine, même si en fait on en parle assez peu, bizarrement, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'expriment vraiment sur le sujet. Je pense que certains sont athées, considèrent qu'il n'y a pas de sens, que tout est qu'une affaire de hasard et de nécessité. D'autres, je pense, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, considèrent qu'il y a un sens. Et d'autres encore sont plutôt agnostiques, comme je le suis. Et moi, quand j'ai agnostique, c'est un peu une boutade. Ça veut dire que ça, c'est une question que je laisse de côté, parce que je ne pense pas être en mesure de l'appréhender sur un plan scientifique. En revanche, j'essaye de réfléchir à cette notion d'irréversibilité. À quel moment est-ce qu'il y a des seuils d'irréversibilité, quoi? Alors, essayons de les rendre très concrets, ces seuils d'irréversibilité. Quelque chose qui me paraît irréversible, par exemple, c'est le développement du langage.
quand le langage a commencé à vraiment prendre la place, langage articulé, hein, j'entends par là, je ne dis pas qu'il y avait des moyens de communication beaucoup plus anciens et autres, mais quand le langage articulé a commencé à prendre une place décisive dans les relations humaines et donc dans le fonctionnement social des groupes humains, on touche à l'irréversibilité. Vous n'imaginez pas aujourd'hui une société humaine perdre le langage. Et ça fait très 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 longtemps que c'est comme ça. À tel point d'ailleurs, pour le coup, et ça va dans le sens de ce que j'essaie de vous montrer, à mon sens, il est très clair que c'est une pression d'ordre paléosociologique qui a joué en faveur de la sélection de caractères biologiques permettant le développement du langage articulé. Alors là aussi, il y a deux visions différentes. Il y a des gens qui considèrent en gros qu'un beau matin, un type s'est réveillé avec un larynx et qu'il a pu séduire les autres grâce à cette faculté phonatoire nouvelle. Moi, je t'en pense tout à fait différemment, que naturellement, c'est pas une mutation comme ça, comme qui soit sortie du chapeau et qui ait provoqué l'adoption d'un larynx, etc., etc. C'est parce qu'il a dû y avoir, sur des générations et des générations, une forte pression en faveur du développement de facultés à communiquer, qui font que petit à petit, c'est les individus qui étaient les plus aptes à communiquer, qui ont mieux vécu que les autres, sont plus reproduits, ont plus transmis leurs gènes, et que petit à petit, cette pression sociale a sélectionné des caractères entraînant le développement du langage articulé. Donc là aussi, moi, j'aurais tendance à mettre la primeur du côté du social pour expliquer le développement de ce caractère ancré biologiquement dans notre anatomie. Mais là où je veux en venir, c'est que précisément, là, on est sur un processus qui est vraiment, pour moi, l'exemple même d'un processus irréversible. Alors, si on prend d'autres types de processus irréversibles, par exemple la conscience de la mort, est-ce que c'est un processus irréversible? Sans doute. Est-ce que certaines facultés d'ordre symbolique, et là on peut revenir aux questions sur l'art par exemple, le fait de commencer à penser le monde à travers des symboles et des images, est-ce que c'est irréversible? Sans aucun doute, là aussi. Donc moi je travaille plutôt sur ces questions d'essayer de trouver des seuils d'irréversibilité, en admettant aussi cette question beaucoup plus dérangeante, que peut-être certaines des facultés dont je viens de parler ont été pendant longtemps réversibles. Oui, bonsoir et merci pour cet exposé limpide et absolument passionnant. Vous avez tenu un fil qui est celui de la rationalité, de la science, et moi je ne suis pas du tout préhistorien, et en vous écoutant, j'avais deux questions à vous, enfin, plutôt une remarque et une question. Ce savoir que vous érigez, qui est bien sûr votre méthode, pourtant on a l'impression que la préhistoire restitue quelque chose dans le savoir qui est aussi de l'ordre de la magie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans le savoir, dans cet échafaudage, il faut une place de la magie. Et la préhistoire, par projection, ou peut-être par réalité, laisse une place à ça. On le ressent quand on va dans une grotte, par exemple, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous parle, une vibration, j'ai envie de dire, qui procède de la magie, me semble. Et on peut tout à fait le ressentir face à des magnifiques haches polies, des silex qui sont des choses absolument magnifiques parfois. Et alors le corollaire de cette question, qui question va être beaucoup plus anecdotique, c'est que pensez-vous de l'idée que j'ai remarqué que les enfants adorent les dinosaures et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que la préhistoire s'appelait bien aux enfants. Je pense que si on nommait comme ministre de la Culture des gens de 8 ans, par exemple, on aurait beaucoup plus de crédit. Et je suis assez pour, moi d'ailleurs, qu'on rajeunisse, mais radicalement, le gouvernement. On les prend entre 8 et 12 ans. Comme ça, je suis persuadé qu'il y a plein de choses qui iront beaucoup mieux, en tout cas du point de vue des crédits donnés aux archéologues, quoi. Après, par contre, malheureusement, ça les intéresse de moins en moins. Mais pour reprendre votre remarque... Moi, naturellement, que je suis le fil de la rationalité, mais je suis parfaitement conscient que cette démarche scientifique n'est qu'un des chemins vers la connaissance, et pas le seul. Oui, là, je suis très clair là-dessus. Moi, il a pu m'arriver vraiment d'avoir le sentiment de toucher à la compréhension d'un phénomène à travers des œuvres purement littéraires, fictionnelles, ou de la poésie, ce que vous voulez, etc., etc., qui m'a aidé à comprendre le monde. Là, c'est sûr.
Mais mon boulot à moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas un poète. Là, le fait est qu'aujourd'hui, on est un peu dans le trouble. Et parce qu'on me met sur une scène avec le plaisir d'entendre Thierry jouer de la musique. J'ai presque l'impression que je suis à la limite d'en train de jouer un rôle, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas très agréable d'ailleurs, pour vous dire la vérité. Même si, en tant qu'enseignant, je fais du théâtre tout le temps. Parce que quand on est dans un cours, on fait du théâtre. Il faut accepter que c'est du théâtre, on joue son rôle. Et d'ailleurs, si je ne jouais pas un rôle, je crois que j'oserais pas le jouer. Vous voyez, enfin, en tout cas, je n'oserais pas être moi-même. Donc ça me gêne pas de jouer un rôle. Mais là, effectivement, on est dans un léger trouble créé par Stéphane sur le... Mais néanmoins, moi, je tiens mon fil de rationalité, effectivement. Crac, dans la tempête, je garde, vous voyez, la main sur le bastingage de la rationalité. Mais ce n'est pas le seul chemin vers la connaissance. Et je peux moi-même puiser mes inspirations tout à fait ailleurs, mais ça ne devient un discours tel que j'essaie de le proposer qu'à partir du moment où il s'est passé au filtre de la rationalité. Quant à savoir pourquoi est-ce que les enfants adorent les dinosaures, adorent la préhistoire en général, c'est une très bonne question. Il est certain que vous avez raison, ça fait partie d'un univers totalement merveilleux. Il y a plein de choses, j'y ai pas assez réfléchi pour répondre vraiment à cette question, mais il est certain que eux, ce qu'ils y trouvent, c'est du merveilleux. Ils y trouvent aussi, je pense, ce vertige du monde qui change. Imaginez que le monde a changé à ce point-là, qu'il y a eu tellement de révolutions sur la planète et des phases aussi différentes, je pense que ça fait partie du merveilleux. Oui, ça fait. Mais c'est comme les contes, voilà, c'est parti, c'est comme les contes pour enfants, c'est un merveilleux qui fait un peu peur, oui. Une autre question. Alors, moi je voulais savoir, vous dites donc étudier les objets techniques de la préhistoire, et je voulais savoir si l'instrument entrait aussi dans votre domaine d'étude. Et si oui, je voulais savoir l'importance que vous pensez qu'a l'instrument dans la société. De la préhistoire. L'instrument de musique. Ah oui, l'instrument de musique. Alors, là, je dois dire que c'est un domaine où on est très frustré. Parce que malheureusement, par exemple, tous les instruments, ou presque, que vous avez vu aujourd'hui jouer, nous ne pourrions pas retrouver la moindre trace des instruments s'ils étaient préhistoriques. Puisque malheureusement, il nous manque toutes les matières organiques, tendres. Donc tout ce qui est la peau, tout ce qui est le bois végétal, etc., on n'en aura aucune trace. Ça veut dire que l'instrument qui est certainement le plus ancien, c'est-à-dire tous les instruments de percussion, pour les rythmes, là on n'a à peu près aucun doute que c'est les plus anciens, c'est les plus universaux, etc. etc. Enfin, si on fait un rapport entre l'universalité et l'ancienneté, ce qui est un rapport qui n'est pas si simple que ça à faire, parce que naturellement, c'est pas parce que quelque chose est universel qu'il est forcément plus ancien que tout le reste. Mais néanmoins, on peut considérer que ce qui est universel a de fortes chances de s'ancrer dans des traditions très anciennes. Il est très certain que les percussions sont très anciennes. Et ça, on n'en a aucune trace, ou presque. Il y a juste, dans certaines grottes, des impacts sur des stalactites ou des stalagmites, dont on n'arrive pas très bien à dater d'ailleurs, mais dans certains cas, on peut proposer qu'elles soient anciennes, qui montrent qu'ils ont utilisé des lithophones. Mais c'est dur à dater. Donc les premiers instruments de musique que nous avons témoignent sûrement de phases très récentes par rapport au développement des instruments de musique. Et ce qu'on a, nous, c'est des flûtes. Et notamment les Aurignaciens, dont le nom a été prononcé à plusieurs reprises, qui sont effectivement les artistes, notamment d'une bonne partie de l'ornementation de Chauvet, sont les premiers pour lesquels nous avons vraiment des flûtes. Et parfois des flûtes très élaborées. Par exemple, il y a quelques années, il a été trouvé en Allemagne une flûte où ils se sont donné la peine de sculpter deux morceaux d'ivoire de mammouth travaillés, de les accoler l'un à l'autre après avoir donc creusé une gorge dans chacun d'entre eux qui s'assemble parfaitement, et donc ils devaient être ligaturés avec des trous. Donc en gros, c'est une flûte en ivoire avec plusieurs trous, montrant que ce qui est recherché, c'est vraiment une gamme mélodique relativement élaborée. Et un peu plus tard dans le politique supérieur, on a des flûtes avec davantage de trous encore. Je crois même qu'il y en a une avec un trou de pouce, il me semble, c'est peut-être à vérifier, qui montre que là, on a affaire à certainement des instruments qui ont une très grande palette mélodique possible. Et d'ailleurs, il y a quelques années, un ami avait refait cette flûte, trouvée en l'occurrence dans un contexte qu'on appelle le gravétien, bref, mais peu importe, un peu plus récente que l'aurignacien. Et il l'avait refait avec le même matériau, en l'occurrence, c'est des os d'oiseaux. Alors, parce que autant l'ivoire, vous voyez, ça me paraît très élaboré, mais souvent, c'est des os d'oiseaux, parce que l'os d'oiseau est creux.
sur lesquels auront pu être faits ce genre de flûte. Ça avait été confié à un musicien de l'IRCAM, dans mon souvenir, qui lui avait dit en gros qu'avec cette flûte, surtout si on y rajoute éventuellement des embouts en bois qui ont disparu, etc., etc., on peut tout jouer. Enfin, en tout cas, on a une gamme très très large de sonorités possibles qui montrent que là, on est vraiment sur des univers musicaux certainement très élaborés. Donc, il est certain qu'au même moment où on voit exploser les peintures pariétales auxquelles il a été fait allusion tout à l'heure, on voit certainement aussi exploser des pratiques musicales. Mais que tout ça doit s'inscrire dans des choses beaucoup plus anciennes du point de vue de la musique, les percussions, sur lesquelles malheureusement, là, on a un énorme problème de démonstration de l'ancienneté parce que ça n'a pas laissé de traces, ou très peu. Vous m'obligez à intervenir. Mais je vous oblige pas, vous intervenez si vous voulez, monsieur. Non, je sais que j'ai beaucoup parlé. Alors, d'abord, je suis étonné que vous parliez des percussions comme instrument le plus ancien, parce qu'il n'y a aucun document, enfin, à ma connaissance, qui est très superficiel, mais dans l'art pariétal, on n'a pas de représentation de percussions, alors qu'on a des représentations d'arc musical. Qui sont pour le coup très très discutés sur le plan de l'interprétation, mais vous avez raison, il y a effectivement... En tout cas, arc. Voilà. Il est certain qu'il y a... En tout cas, on parle d'arc musical. Oui, oui, on parle d'arc musical, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est un point. Mais vous savez, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, hein, monsieur. Non, mais... On parle du sorcier à l'arc musical, qui est une... Là, il faut le dire pour les gens qui connaissent moins bien que vous la préhistoire, c'est une figure qui vient d'une grotte ariégeoise, qui représente un personnage... très, très complexe, parce que très composite entre des caractères humains, des caractères animaliers, et qui paraît avoir effectivement un arc qui lui touche l'extrémité, non pas tout à fait du nez d'ailleurs, parce que sa tête est bestiale. Oui, oui. Et il a été proposé il y a longtemps par l'abbé Breuil que peut-être c'était effectivement un arc musical, c'est-à-dire ces instruments de musique où en soufflant avec le nez, on fait vibrer une corde. Ce qui est très possible, hein, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Non, on ne souffle pas avec le nez sur un arc musical, monsieur. Bon, attention. J'en ai jamais joué. Vous avez affaire à un organologue, attention. J'en ai jamais joué. Je ne suis pas préhistorien, mais je suis un petit peu organologue. Ce qui laisse penser que c'est un arc musical, c'est qu'il est tenu dans le sens contraire de l'arc de guerre. L'arc de guerre, vous avez la corde vers vous et le bois loin. Et là, vous avez le bois près et la corde loin. C'est comme ça qu'on le tient pour taper la corde avec un bâton. Et effectivement, on peut ajouter quelque chose du souffle, mais c'est parce qu'on fait toucher le bois de l'arc, on le fait toucher à la joue, n'est-ce pas ? C'est par la transformation de la cavité buccale et l'ouverture de la bouche qu'on transforme le son, plus que par le nez. Bon, ça, c'est un petit détail. Donc, en tout cas, arc musical, c'est important. C'est un détail important. Ah, oui, mais c'est important de le signaler. Ensuite, vous avez parlé de flûte, mais en général, ce sont des hautbois. N'est-ce pas ? Quand vous dites, on ajoute un petit bout de bois en haut... Ah, mais je n'ai pas dit qu'il le faisait, je dis que ça avait été évoqué par les chercheurs de l'IRCAM. Moi, je peux vous le dire, parce que je n'ai qu'une expérience en l'occurrence, c'est que j'ai été à Saravine, près de Grenoble, dans un musée, où il y avait justement un fût en terre cuite, avec les trous, et tout le monde s'étonnait qu'on ne puisse pas en sortir de son. Alors je me suis présenté, on m'a permis d'aller au lac, de couper un roseau, de faire une anche, de la fixer sur ce fût de terre cuite, et ça a donné un hautbois. Hein. Alors si c'est une flûte, on peut la faire fonctionner directement, ça peut être d'ailleurs une flûte oblique, ou une flûte à encoche comme la quena d'Amérique du Sud, mais en l'occurrence la plupart des instruments trouvés, ils fonctionnent quand on rajoute une anche, qui bien sûr a disparu, puisque... En général, elle est en roseau, n'est-ce pas ? Donc, voilà, c'est juste la nuance entre hautbois et flûte, sachant que chez les peuples anciens, entre guillemets, on joue ces hautbois toujours en souffle circulaire. Et après, il y a alors, simplement, je termine en m'étonnant qu'il y ait des sortes de cloisons. Enfin, je vous regarde peut-être un peu loin de l'extérieur, mais il semble que chez les scientifiques, il y ait des cloisons beaucoup trop étanches entre les gens... de la préhistoire, par exemple, et les gens qui font de l'organologie. Voilà. Et donc, ça amène, au point de vue scientifique, à des maladresses de parler de flûte quand c'est un hautbois, etc. Simplement, ce qu'on pourrait déplorer, c'est ça. C'est que alors, vous dites l'IRCAM, c'est très bien. L'IRCAM, c'est très respectable. Mais ce qu'il faut aller voir, en l'occurrence, c'est les ethnomusicologues. D'accord. Ou les organologues de l'ethnomusicologie. Alors, peut-être qu'un jour, on pourra faire du boulot. On verra. J'en prends bonne note. Il est clair que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des instruments de musique préhistoriques. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez voulu dire sur le souffle
circulaire, oui. C'est une manière de souffler avec une hanche telle que vous pouvez faire une note qui dure une heure sans s'arrêter. D'accord. Alors là, je suis persuadé que là, il y a beaucoup, beaucoup à développer, effectivement, sur ce plan-là. Ça demandera à tout le monde plus de dialogue, vous avez raison. Bien sûr. Après, justement, si on reprend... Là, soyons très concrets sur le dialogue. Honnêtement, je comprends votre point de vue sur l'arc musical. Il faut voir quand même que ça repose sur une représentation discutable du point de vue de l'interprétation, et qui d'ailleurs est beaucoup plus récente que les flûtes ou les hautbois dont on vient de parler, puisqu'en l'occurrence, c'est une représentation qui est magdalénienne, qui est tout à fait la fin du poétique supérieur. Donc là aussi, il faudra que le dialogue se fasse dans tous les sens. On est là, on est sur des choses qui ont 14 000 ans, 15 000 ans, alors que là, je parlais de flûtes qui en ont 30, vous voyez, donc... enfin, de flûte ou de hautbois, en tout cas, ouais, d'instruments avant. Mais là, c'est vous qui avez juste dit de me corriger sur le sujet. Après, moi, je n'ai pas de doute qu'il y ait des percussions beaucoup plus anciennes. Ça, c'est pratiquement certain qu'il y a, il y a certainement... La percussion est certainement beaucoup plus ancienne du point de vue des instruments de musique, mais ça, c'est là où on est le plus en peine pour arriver à... Effectivement, je ne peux pas le démontrer. Je suis bien d'accord avec vous, je ne peux pas le démontrer. Bien sûr. D'ailleurs, ça a été bien vu dans le film de Stéphane, il a beaucoup joué sur cette relation entre le tambour et le tamis. Mais là, et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez été en train de parler de ça, mais donc, quand vous avez évoqué la relation de certains peuples actuels avec la préhistoire ou l'art préhistorique, il y a le cas des Berbères qui est très intéressant parce que vous avez dans la vallée de Haït-Koumès, à 2000 mètres d'altitude, une gravure pariétale de 100 mètres de long qui s'appelle la Grande Bataille, où visiblement il y a des hommes percés de flèches, etc. Et des symboles picturaux qu'on va retrouver sur les bijoux berbères qui sont encore fabriqués. Et d'autre part, un musicien de cette vallée m'a dit qu'ils avaient un poème qui évoquait cette bataille. Bon, ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait faire une thèse, parce que c'est quand même assez unique. Alors, il y a beaucoup de travaux sur le sujet, hein, sur la question de la relation, d'abord de l'étude de l'art saharien, et est-ce que les traditions berbères permettent ou non d'offrir une lecture à cet art saharien. Et puisque vous êtes intéressé par le sujet, je vous propose de vous jeter sur un ouvrage tout récemment paru par Michel Barbaza, qui s'appelle « Les trois bergers », qui justement traite de cette question de la capacité ou non que nous avons à faire une lecture anthropologique des œuvres rupestres du Sahara grâce à certains éléments de mythologie. Michel Barbaza. Barbaza. Alors, les trois bergers. Puisqu'on en est au livre, François a écrit un livre, la fabrique de l'homme, qui est en vente. Hein, donc, vous pourrez le procurer si vous le désirez. Et puis je pensais que peut-être à la possibilité du premier témoignage du suicide pour l'arc inversé. Enfin bon, une autre question, peut-être. Ouais. Généralement, on arrête vers 22h, mais disons qu'on va prolonger un quart d'heure, si vous le voulez bien, s'il y a d'autres questions. À moins qu'il n'y ait pas d'autres questions. Thierry. Je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai trouvé assez fascinant quand vous avez parlé d'une sorte de professionnalisation de la peinture, quelque part. Et est-ce que vous avez rencontré le même phénomène pour les objets fabriqués, pour les pierres taillées ? Oui, ça c'est une très bonne question. Eh bien, alors, on va dire que actuellement, sauf quelques cas très particuliers, on a le sentiment que tout ce qui est la conception de l'équipement technique, pierre taillée, fabrication d'instruments, os en ivoire, etc., relève parfois d'assez haut degré de savoir-faire, mais jamais des degrés qui nous permettent de considérer qu'on a vraiment affaire à des artisans spécialisés. La notion d'artisan spécialisé, actuellement en préhistoire, on la situe au néolithique, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus récemment, à l'époque du développement de l'agriculture, de l'élevage, de la sédentarité, où là, on commence vraiment à avoir des artisans spécialisés, des gens donc qui manifestement sont en charge par la société de produire des objets
dont ils sont les seuls à détenir les savoir-faire techniques pour ce faire. En revanche, pour tout le paléolithique, notamment pour le paléolithique supérieur, on n'a pas ces évidences-là. On a parfois des prouesses techniques, c'est vrai. Notamment, il y a des cas très particuliers dans le solutréen, qui est une phase un peu enfin, une culture qui se situe un peu au milieu du paléolithique supérieur, où il y a quelques objets, il y a dans certains contextes des objets qui témoignent vraiment de grandes prouesses techniques. Donc il a pu y avoir des prouesses techniques, certainement, mais de là à parler d'artisans spécialisés, on n'en est pas capable. Et le seul domaine dans lequel peut-être cette question effectivement peut être évoquée, c'est le domaine des représentations pariétales, où là effectivement on a un degré de savoir-faire qui dans certains cas nous laisse penser que c'est pas tout un chacun qui était capable de faire cela, et que la société devait à un moment donné désigner et former des gens pour produire ce type d'image. Pas toutes les images, hein, certaines images. Il y a des choses qui sont certainement à des degrés nettement moindres de savoir-faire. Alors la question, c'est est-ce que ces gens qui produisaient ces images non seulement étaient en charge de leur réalisation, mais étaient également en possession du message qu'elles véhiculaient. Autrement dit, est-ce que ces gens-là avaient un pouvoir qui était non seulement le pouvoir de faire, mais le pouvoir de transmettre également le contenu, et même peut-être même de le concevoir. Autrement dit, là où je vais jusqu'au bout de l'idée, une des questions qui est vraiment posée aujourd'hui, c'est est-ce que ces sociétés du paléolithique supérieur sont des sociétés qui ont vraiment, non pas forcément inventé, mais peut-être inventé, en tout cas développé des structures d'organisation qu'on appelle politico-religieuses, c'est-à-dire dans lequel il y a un message, on va dire religieux au sens très large du terme, qui est adossé à des structures d'ordre politique en termes de pouvoir. Autrement dit, quelque chose qu'on connaît pour les sociétés plus récentes, depuis quand est-ce que les sociétés humaines, en gros, sont construites sur un plan politico-religieux, et est-ce qu'à travers ce degré de spécialisation possible d'une partie des artistes préhistoriques, et du pouvoir éventuel qui est adossé au fait de détenir ce savoir dans la réalisation et peut-être dans le message, est-ce qu'on a affaire à des sociétés qui sont d'ordre politico-religieuse, ou pas ? Ça, c'est une vraie question d'anthropologie qui est posée aujourd'hui, dans laquelle je vais, honnêtement, je n'ai pas pour le coup de religion sur le sujet, mais c'est vraiment une question intéressante. S'il vous plaît, vous pourriez nous donner des exemples de prouesses techniques, quand vous parlez de prouesses techniques ? Oui, je peux vous donner des exemples en effet. Par exemple, il y a 13 ou 14 000 ans, 13 000 ans à peu près, il y a des groupes magdaléniens, c'est le même nom que j'ai cité précédemment pour évoquer la représentation possible d'arc musical, qui se sont installés sur le bord de la Seine, à proximité de Paris. Et là, ils ont eu la chance de tomber sur des silex de très belle qualité, du très bon silex, quoi. C'est-à-dire des blocs volumineux de silex homogènes, présentant de belles aptitudes à la taille. En l'occurrence, le lieu s'appelle Étiole et est fouillé depuis une trentaine d'années par l'Université de Paris 1. La plupart d'entre eux se sont attaqués à ces silex pour produire de belles manières, un bel équipement technique magdalénien, c'est-à-dire des grandes lames qui peuvent faire 15, 20, 25 cm. Et puis, dans une ou deux unités d'habitation, on va dire des petites huttes, hein, voilà, qui sont intéressantes, parce qu'en fait, ils sont venus et revenus, donc en fait, il y en a à la fois qui sont contemporaines, et puis ça s'échelonne dans le temps. Et dans une unité d'habitation, je crois qu'elles ne sont pas tout à fait contemporaines d'ailleurs, mais dans une en particulier, il y a des types qui ont dit, ben nous, on va en profiter de ce silex. Ils ont été chercher des blocs énormes, qui font 100-150 kg, autrement dit forcément manipulés à 3 ou 4 bonhommes, et ils ont essayé d'aller au maximum de ce qu'ils pouvaient faire techniquement, quoi. Et ils ont produit, en l'occurrence, la plus grande lame qu'on connaisse, 60 cm de long, donc c'est une grande lame, c'est des éclats allongés qu'on appelle des lames, qui témoignent là d'un degré de maîtrise, de savoir-faire, de contrôle, etc. C'est une prouesse technique. Ça l'est d'autant plus que ça n'a servi à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas économique. La lame, ils l'ont laissée sur place. Voilà. C'était juste une prouesse. Les solutréens dont j'ai parlé sont des gens qui, eux, fabriquaient des objets de différentes façons, mais notamment là, par en fait, des retouches couvrantes réalisées parfois à la pression, parfois même après des chauffes du silex pour modifier légèrement la qualité de la matière et peut-être améliorer sa taillabilité. Et ça a été le fond commun des outillages solutréens pendant quelques centaines d'années. C'est déjà d'un beau niveau de savoir-faire. Mais dans certains sites, il y a des tailleurs qui ont essayé d'aller encore au-delà et qui ont produit de très grandes feuilles de laurier, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est des grands trucs comme ça qu'ils peuvent faire, la plus grande qu'on connaît fait à peu près 30 cm de long. Donc c'est des objets qui font 30 cm de long, 10 cm de large à peu près, moins d'un centimètre d'épaisseur,
Autrement dit, on est vraiment sur des feuilles taillées en pierre qui témoignent là aussi d'une forme de prouesse technique, ceci d'autant plus que dans certains cas, certains de ces objets ont été sortis, on va dire, du circuit d'utilisation économique pour devenir des objets peut-être qui ont des valeurs de signes. Vous voyez ce que, enfin, donc c'est là où on commence à parler d'objets qui répondent à des formes de prouesses techniques au service d'autre chose que simplement que l'utilisation stricte, même si cette utilisation stricte, elle a aussi valeur de signe sans aucun doute, mais là ça quitte carrément le monde, je dirais, le monde fonctionnel pour arriver à des objets qui ont uniquement valeur de signe. Mais c'est quand même des phénomènes qui pointent leur nez aux politiques supérieures, mais qui n'ont pas la même puissance, sans doute, que dans le domaine des productions artistiques. Du point de vue, quand je veux dire par là, par rapport à votre question sur l'existence de gens qui sont spécialisés dans la réalisation de ces œuvres, et que la société désigne comme telle. Et les aiguilles, c'était aussi avec du silex, en os, mais avec du silex comme outil. Oui. Oui, de toute façon, tous les outils de transformation au cours du poétique supérieur sont faits soit en pierre, et donc silex principalement, mais pas seulement, mais principalement silex, soit avec des matières dures animales, qui ont notamment le traitement des peaux, etc., etc., pouvaient requérir des aiguilles, des poinçons, des lissoirs, et pour fabriquer ces aiguilles, ces poinçons, ces lissoirs, eux-mêmes destinés à travailler les peaux, il fallait avoir préalablement conçu des équipements en pierre. Une dernière question, peut-être ? Puis, un peu de musique encore pour finir, non ? Okay. Et bien donc, on va terminer avec un rythme paléolithique, me dit Thierry. Aucune notion de rythme paléolithique. Mais c'est une question qu'on pourrait se poser d'ailleurs, parce que pourrait être le rythme, que pouvait être le rythme il y a 150 000 ans, 40 000 ans, et même 10 000 ans. Voilà. C'est pas impossible qu'ils aient eu des notions de rythme dans la taille de la pierre, justement. Tu vois, mais c'est vrai, moi, je pense que la taille de la pierre devait être une forme de rythme. Il devait y avoir une musicalité de la taille de la pierre.
fini. Thank you.